C'est bon, super, merci. Je voudrais vous parler ce matin du repos. Il se reposa. En fait, il Shabbat. Alors quand on parle du repos, la première chose à quoi on pense, c'est à ce verset. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Alors, la question que je me posais en préparant ce message, c'est, tiens, au fait, pourquoi on se réunit le dimanche matin? Bon, le mot église apparaît 105 fois dans le Nouveau Testament, mais il n'y a pas le détail du fonctionnement d'un culte. Chaque église fait un peu comme il veut. On sait qu'une chose, c'est qu'il persévérait dans l'enseignement et la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Alors ce matin, je vais aussi vous parler du Shabbat. Alors ça, c'est une source un peu de polémique et de disputes et auxquelles je ne vais même pas essayer de répondre. Mais je veux juste vous soumettre un peu ma pensée. Je suis presque convaincu que les premiers chrétiens étaient d'abord certainement préoccupés à ne pas agir contre la loi, contre la Torah. D'ailleurs, la preuve, quand Paul va revenir de son troisième voyage missionnaire, il va s'arrêter à Jérusalem et les frères de l'église de Jérusalem vont lui dire « Écoute, le mieux, c'est que tu prennes les gars, les frères qui sont avec toi, les quatre frères qui sont avec toi, et puis tu vas faire un rite de purification. » Et il va se plier, Paul, avec ses quatre hommes, vont pratiquer quelque chose de l'Ancien Testament, de la loi, un rite de purification. Il y a aussi ce passage devant le grand sacrificateur, où Paul va dire, oh pardon, je savais pas que c'était le grand sacrificateur. Alors, il y a plein de commentaires sur la toile, si ça vous intéresse, je vous laisse le soin d'y aller, hein, sur Internet. D'après Wikipédia, En Europe, le dimanche est considéré comme un jour de repos depuis le règne de l'empereur Constantin. C'est lui qui a déclaré le 7 mars 321 que le dimanche serait le premier jour de la semaine, serait chômé, ce serait en hommage au soleil invaincu. En France, on considère que le septième et dernier jour de la semaine civile, c'est le dimanche. Il y a même une norme ISO qui a été déclarée, quoi. Mais pour nous, chrétiens, et pour les juifs, Tiens, elle est où ma Bible? Ah, ok. Le premier jour de la semaine, c'est dimanche. Et le dernier jour de la semaine, c'est samedi. Alors, on va lire un texte qui va nous parler un petit peu d'un premier culte. Ça se passe à Troas, dans Actes au chapitre 20, versets 7 à 12. Alors, c'était la dernière heure du sabbat, c'était la fin du sabbat. Ici, dans ma Bible, il y a marqué « Au Motsai Shabbat », c'est le soir du sabbat, quand le soleil se couche. Quand nous étions réunis pour rompre le pain, Paul leur fit un discours. Comme il devait partir le lendemain, il parla jusqu'à minuit. Il y avait un grand nombre de lampes à huile qui brûlaient dans la chambre à l'étage où nous étions réunis. Un jeune homme nommé Eutyche était assis sur le bord de la fenêtre. Eutyche tomba petit à petit dans un profond sommeil pendant le long discours de Paul. Son sommeil était tel qu'il tomba dans le vide du troisième étage en bas. Quand ils le relevèrent, ils constatèrent qu'il était mort. Mais Paul descendit, se pencha sur lui, le prit dans ses bras, puis il dit « Ne soyez pas inquiets, il est vivant ». Ensuite, il retourna dans la chambre, rompit le pain et mangea, et il continua de parler avec eux jusqu'à l'aube. Puis il partit. Ils ramenèrent vivant le jeune homme chez lui, et ce fut un grand soulagement pour tous. Alors, quelques petits commentaires sur ce texte qu'on vient de lire. Le culte commence à la tombée du jour, au coucher du soleil, lorsque le Shabbat se termine. Et il se termine jusqu'au lever du soleil. Un culte avec sainte scène, toute la nuit.
Bon, on comprend pourquoi le jeune homme s'est endormi, hein. Peut-être qu'à l'époque, ils n'avaient pas les moyens de déplacement qu'on a aujourd'hui. Certainement, on le sait, ça. Peut-être qu'il venait de loin, à pied, puis qu'il était fatigué. Il a une journée remplie. Imagine si, Raymond, s'il fallait venir de la Broque, bien que tu peux le faire, ça je sais, à pied, mais après, pour passer toute une nuit à entendre et à écouter une prédication, waouh. Et puis, la salle était bien remplie. On est dans la chambre haute, au troisième étage. Peut-être qu'il faisait trop chaud. Il s'était peut-être assis sur le bord de la fenêtre pour être un peu au frais. Et puis, Eutyque, c'est un jeune homme qui voulait suivre Jésus. Son prénom grec signifierait « enrichi, heureux ». C'est vrai que quand on donne son cœur au Seigneur Jésus, on est enrichi et nous sommes bénis, heureux. Hein, c'est l'histoire des béatitudes, hein, heureux l'homme qui... Et puis il va tomber par la fenêtre. C'est vraiment l'accident, la catastrophe. Et il va être enrichi toute sa vie par cette expérience. Elle va être pour lui et les frères et sœurs qui étaient là un sujet de joie. La preuve, on en parle encore aujourd'hui. Il est minuit et on a l'impression qu'en lisant l'histoire que Paul va prendre le jeune homme en disant ne soyez pas inquiets, il est vivant. Puis il va le poser dans un coin dans la salle ou sur un lit, certainement sur un lit pour qu'il soit allongé. Et puis ils vont continuer leur culte, ils vont prendre la Sainte Cène, il va continuer à prêcher toute la nuit jusqu'au matin, du matin au soir. C'est quand même impressionnant. Hein. Si nos rencontres duraient aussi longtemps, je ne sais pas si on serait aussi nombreux. Et c'était pas qu'une fois, dans les Actes aux Apôtres, à Rome, des chrétiens vont voir Paul pour discuter. Il y avait aussi d'autres, des Juifs. Ben, ils vont rester du matin au soir avec Paul, et Paul va prêcher. Waouh, c'est aussi pas évident d'imaginer que pendant toute la journée ou toute la nuit, tu prêches, ou au Traugott, tu prêches pendant toute une nuit, toute une journée. Faut avoir aussi de quoi dire quelque chose, quoi. Alors, je voudrais ce matin vous parler du repos, le vrai repos. Et le vrai repos, c'est la croix. On ne peut pas recevoir le vrai repos sans venir ou sans passer par la croix. Ce n'est pas ma religion qui va me sauver, ni mes bonnes œuvres, ni ma gentillesse. Repos peut signifier aussi la paix. C'est quoi un vrai repos? Le Shabbat Shalom. Une paix que le monde ne peut pas connaître, ne peut pas comprendre. Une paix surnaturelle. C'est un don de l'esprit. Alors, ce matin, on pourrait se dire... Chacun arrête un peu de courir dans tous les sens, de travailler, de t'inquiéter, de te tourmenter, de travailler sans fin. Finalement, pour pas grand-chose, parce qu'à la fin de la vie, tu te dis finalement, tu laisseras rien derrière toi. Tu n'es que de passage. Tu ne vis qu'une fois. Et en contrepartie, Jésus veut nous dire ce matin, je te donne du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Alors, c'est quoi le vrai repos pour vous? Question difficile pour un Alsacien. Hein, pour un Alsacien, notre éducation... Bernadette, quand elle parle un peu de son enfance, a dit, moi, je n'ai pas le droit de lire un livre. Et ma mère adoptive me disait souvent, qu'est-ce que tu es encore en train de faire? Parce qu'elle se doutait bien qu'elle était en train de lire un livre. Et elle aimait beaucoup lire les livres. Pour nous, les Alsaciens, souvent, farniente, grasse matinée, traîner, ne rien faire, ça évoque la paresse. Et puis on est culpabilisé parce qu'on ne fait rien. Avant le Covid-19, on parlait souvent de burn-out, de stress, de superactivité. Parfois, après un travail intense, un gros boulot, un truc difficile, on souffle, un repos bien mérité. Je crois que c'est important de se reposer. Les vacances, c'est important aussi. Alors, est-ce qu'il y a des situations où on peut perdre le repos? Je pense que le péché est c'est quelque chose qui va nous empêcher d'entrer dans ce repos. Le péché, c'est manquer le but.
le manque de pardon, la rancune, l'amertume. Hein, on connaît l'histoire des enfants quand ils se sont disputés, et puis ils n'arrivent pas à dépatouiller ce truc parce qu'ils ont besoin de demander pardon. Souvent c'est ça. Va demander pardon à ton frère ou à ta sœur. Et sinon ils pleurent. Nous on est un peu comme ça. Seulement on est des grands. Et c'est important le pardon. Parfois le travail, la charge d'une maman, le stress d'un travail, d'un boulot, d'un patron. Je peux aussi perdre le repos quand, lorsque mes désirs, mes pensées, ma vision deviennent un piège, un empêchement, une fausse route, un égarement, une fausse piste, une erreur. Et là, je risque d'entraîner même les autres avec moi. Et à la fin de compte, il n'y a plus de repos. Les épreuves, la maladie, le deuil peuvent être des obstacles au repos. Jusqu'à ce que j'abandonne tout entre les mains du Seigneur. Jusqu'à ce que je dépose tout au pied de la croix. C'est un défi, un challenge, une occasion pour apprendre à s'approcher de Dieu. Et là, à cet endroit-là, tu es seul, chacun est seul. Chacun est appelé individuellement à faire cette démarche. Et la seule réponse, c'est Jésus. Et sa victoire est toute puissance. C'est la résurrection. Jean nous parlait l'autre fois de la puissance de la résurrection. Alors, le Shabbat juif, donc ça on connaît, hein, c'est un commandement, ça fait partie des 10 commandements. Dans Exode, au chapitre 20, versets 8 à 12, « Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. » Et on trouve un peu plus loin dans le livre d'Ézéchiel ce passage où l'Éternel dit « Je leur donnerai aussi mes sabbats pour être un signe entre moi et eux, un signe, une représentation visible de la relation entre Dieu et l'homme. » Alors, je vais vous lire ce que j'ai recopié sur le net par rapport à le Shabbat, le vrai Shabbat juif. C'est sur un site israélite et j'ai beaucoup aimé. Alors, le Shabbat est le septième jour de la semaine, du vendredi soir au samedi soir. Le jour du Shabbat doit être l'occasion de se réjouir en famille, de vider son esprit des soucis et des devoirs matériels de la semaine, pour se plonger dans l'étude de la Torah. La Torah, c'est le Tanakh, hein, c'est l'Ancien Testament. Et accueillir dans sa maison et dans son intellect le Honek Shabbat, qu'on va traduire par la joie du Shabbat, ou le bien-être du Shabbat, cadeau perpétuel de l'Éternel aux Juifs afin qu'ils suivent toujours le chemin du Créateur pour apporter le règne du bien. Donc, lors du Shabbat, certaines activités sont interdites, bâtir, cuire, tailler, acheter, écrire, parce qu'elles découlent des travaux principaux intervenant dans la construction du temple, elles-mêmes symbole de la création du monde par l'Éternel. Mais l'essence du Shabbat est de laisser de côté les tâches de la semaine pour faire place à Dieu en ce jour où il a parachevé le monde en faisant place à l'homme. C'est l'un des principes fondamentaux du judaïsme. À l'instar de Dieu qui a créé l'univers et tout ce qu'il contient en 6 jours, il s'est reposé de son œuvre le 7e et le juif cesse tous ses travaux de la semaine à l'approche de la nuit du vendredi soir pour se consacrer entièrement à Dieu, corps et esprit, le saint jour du Shabbat, toute la journée. Nous, souvent, c'est juste le culte, une heure et quart, une heure et demie le dimanche matin. Et dans le mot Shabbat, La première lettre, on trouve la pensée de s'enraciner dans ses convictions. Et en même temps, de détester, mépriser, haïr tout ce qui m'éloigne de Dieu. La pensée forte, c'est de se sanctifier, de se mettre à part. Au centre de ce mot, Shabbat, il y a le B, qui est le bet, un bet appuyé. Le palais, la tente de l'Éternel, la maison, sa résidence. Et à la fin, c'est la marque du Seigneur, sa signature, sa présence. Alors, dans la Bible, la première fois où il est question du sabbat, c'est dans Genèse, au chapitre 2, verset 2. Il y a donc les 6 premiers jours,
Donc il y eut un matin, il y eut un soir, et le sixième jour, Dieu créa l'homme et la femme. Et au septième jour, Shabbat, il se reposa. Dans nos traductions, c'est traduit partout, il se reposa. Et c'est le mot Shabbat. Franchement, sérieusement les amis, est-ce que vous croyez que Dieu, l'Éternel, le Créateur, a besoin de se reposer? Attendez, il est tout puissant. Il n'a pas besoin de se reposer. Alors c'est quoi le Shabbat? Dieu a fait ce septième jour, et pendant ce septième jour, très certainement, Jésus était là. Et rappelez-vous, la veille, il avait créé l'homme et la femme. Le septième jour, Dieu a pris le temps pour être avec Adam et Ève. Pour leur dire peut-être, c'est pour vous que j'ai fait tout ça. Regardez tout ce que j'ai fait. C'est pour vous que je l'ai fait. Je ne l'ai pas fait pour moi. Bien sûr, ça reflète de ma gloire. Mais c'est pour vous que je l'ai fait. Pour toi. Pour toi. Pour toi. Parce que vous le valez bien. Je l'ai fait par amour pour vous. Hier soir, on a deux balcons dans notre maison. Il y a un balcon qui est au-dessus, qui n'a pas d'accès, hein, juste pour nous. Donc il n'y a pas de chat ni rien. Et puis au-dessus, dans la fêtière, il y a toujours des nids d'oiseaux. C'est impressionnant, ces petits moineaux qui vont ramasser des brins de paille qui font parfois 50 cm et qui montent faire leur nid tout le temps. Ils sont en train de travailler. Et puis un jour, c'était hier soir, les petits prennent leur envol. Alors ça, c'est magnifique. Franchement, c'est très beau à voir. Le petit qui... Donc on voit d'abord les papas et les mamans qui volent dans tous les sens pour les faire sortir du nid. Et puis d'un coup, il y en a un qui tombe sur le balcon. Et puis on était là. On a regardé ce petit oiseau-là qui fait ses premiers pas. Quoi. Et on admirait cet oiseau. On a bien fermé la fenêtre pour pas qu'il rentre à l'intérieur. Il regardait vers la fenêtre balcon pour voir comment il était. Et puis on le voyait se trémousser. C'est tellement beau. Je pense que l'Éternel, ce septième jour, il était là en train de regarder Adam et Ève. En train de voir ce qu'ils faisaient. En train de s'émerveiller, de voir ce qu'il fait. Je suis persuadé que c'est ce regard-là qu'il a sur chacun de nos vies, sur chacun de nous. Dieu bénit le septième jour, il le consacre, il le met à part comme un jour saint. Un jour à part pour être encore plus près de nous. Un temps pour apprendre ce qu'est la sainteté de Dieu, le kadosh de Dieu, le Saint-Esprit, la présence de Dieu. Alors, pour illustrer ce que je viens de vous dire, je vais reprendre encore comme image les éléments placés dans le temple. Pour suivre et garder la trace un peu de l'Ancien Testament et son impact sur notre vie. Alors imagine que tu es un Israélite dans le désert, là tu es sorti du pays d'Égypte et puis il y a ce temple, tente de la rencontre, la première chose que tu vas voir, tu vas rentrer dans le parvis. C'est un endroit clos, ou dans le temple, hein, c'est un endroit clos. Et puis là, l'autel des sacrifices. Pour nous, cet autel symbolise la croix. Et puis après, il y a la cuve des reins, prendre les eaux du baptême. Ou encore, l'idée de se laisser purifier pendant la marche, se laisser purifier le matin, le dimanche matin, quand on entre dans la présence du Seigneur. Seigneur, j'ai besoin de déposer là tout ce que j'ai gardé cette semaine sur moi, toutes les choses qui sont pas justes, les injustices, tout ce qui n'était pas au clair. Quand on se tient dans la présence du Seigneur, il est bon de lâcher les fardeaux. Hein, on a chanté ce chant là avant. Après, on entre dans le lieu saint. Là, il y a le chandelier d'or, la menorah. Hein, il y a trois branches d'un côté, trois branches de l'autre. Au milieu, il y a une branche centrale. Jésus dira, je suis la lumière. Et puis il nous dira à nous aussi, vous êtes, vous aussi la lumière. Brillez comme des flambeaux, comme des enfants de lumière, portant la parole de Dieu. Ce chandelier étant frappé, est un or frappé. Christ aussi a été frappé pour nous. Lui, le parfait. Puis on arrive à l'autel de parfum. Alors j'aime beaucoup ce chant. Dieu que ma prière
soit devant ta face comme l'encens, l'élévation de mes mains, comme l'offrande du soir. Pour moi, l'autel des parfums représente la prière du peuple de Dieu. Un autel à quatre cornes. Les cornes représentent la puissance de la louange. Merci, merci Nadine, merci Lydie, merci tous ceux qui s'occupent de la louange. Et puis merci à vous tous qui chantez, parce que si on chante pas, il n'y a pas besoin d'instrument. La puissance de la louange, la puissance de la prière, une table recouverte d'or. C'est un autel qui me parle encore une fois du sacrifice de Jésus, qui s'est livré à Dieu comme une offrande de bonne odeur. Éphésiens chapitre 5, verset 2. Jean nous parlait de la puissance de la résurrection, mais à la croix, Jésus a vaincu l'adversaire. Et par la résurrection, il a remporté une victoire totale sur le péché, sur l'injustice et sur la mort. Et dans ce lieu saint, il y a une table avec les pains de proposition. 12 pains de froment, correspondant au nombre des tribus d'Israël. 6 d'un côté, 6 de l'autre. Lesquels pains étaient offerts à chaque Shabbat et séparés en deux rangées disposées pour les 7 jours de la semaine et placés sur une table, placée dans le sanctuaire ou devant le tabernacle. Et après dans le temple. C'était des grosses miches de pain. 5 litres de fleurs de farine. Je suppose que ce pain a été mangé. Ça me rappelle l'histoire de la manne ou de la multiplication des pains. Et ça me rappelle aussi cette parole de Jésus quand il dit « je suis le pain de vie ». Et je pense aussi au pain de la Sainte Seine. Et à un moment donné, Jésus et ses disciples, c'est Shabbat, ils sont en train de traverser un champ, et puis les disciples vont prendre des grains de blé, ils vont les frotter, puis ils vont les manger. Et puis là, il y a des pharisiens qui vont dire « ils n'ont pas le droit, ils n'ont pas le droit de faire ça, c'est Shabbat ». Alors Jésus va leur dire « mais attendez, vous n'y êtes pas, vous n'êtes pas du tout dans le coup. D'abord, le maître du Shabbat, c'est le Fils de l'homme. Jésus était le maître du Shabbat. » Et puis il va leur raconter l'histoire de David, qui, poursuivi par Saül, va se retrouver acculé. Ils n'avaient plus rien à manger, ils étaient en poursuite. Et il va rentrer dans un temple, chez des sacrificateurs. Et puis il va se servir de ce pain, il va le manger et il va le donner à ses soldats. Et Jésus leur dira, il est entré dans le sanctuaire de Dieu, a pris les pains exposés devant Dieu et en a mangé, puis il en a donné à ses hommes, alors que seuls les prêtres ont le droit d'en manger. Et il ajouta, le Fils de l'homme est aussi maître du sabbat. C'est Luc chapitre 6, verset 4. Et le mot utilisé dans la semeur, c'est pain exposé. Quand en allemand, c'est Schaubrot. Mais en français, il y a une dizaine de termes pour ce verset-là. Ici, pain exposé. Dans la seconde, c'est les pains de proposition. Ailleurs, c'est les pains offerts. Ou Chouraki écrira les pains de face, les pains consacrés, les pains de présentation, les pains de l'offrande, les pains de disposition. Ailleurs, les pains d'oblation. C'est un mot sans doute très difficile à traduire. Mais j'ai trouvé une traduction qui m'allait bien pour mon message. Là-dedans, dans la Stern, la Bible juive, là, il y a marqué « le pain de la présence ». Mes amis, le pain quotidien, moi quand je prêche, je prie pour que le Seigneur nous donne de la nourriture. Le pain quotidien, c'est la nourriture de la parole de Dieu. C'est Jésus qui est le Verbe et qui manifeste sa présence au travers de la parole quand on l'étudie et quand elle est prêchée. Paul ira plus loin. Il dira, mais attendez, sa présence, c'est pas que le Shabbat, Christ est en vous. Son amour est tellement grand qu'il voudrait habiter constamment en nous. Et nous, systématiquement, naturellement, nous le rejetons, nous oublions cet amour parce que nous sommes trop occupés, trop affairé, trop fatigué, parce que nous nous mettons toujours en première position. C'est le moi, c'est notre nature terrestre, nos envies, nos émotions, nos colères, nos joies, nos projets, nos programmes, notre religion deviennent un obstacle. Et à cause de cela, souvent, Dieu se retire. Alors on a chanté au début de ce culte, « Ouvrez les portes de votre cœur, laissez Jésus entrer. »
Et plusieurs fois dans le Nouveau Testament, Paul nous rappelle que Christ veut habiter en nous. Et il le répète dans ses lettres pour nous. Il le répète aussi pour lui. Par exemple, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit ? 1 Corinthiens 3:16. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous ? 2 Corinthiens 13:5. Si le Messie est en vous, Romains 8:10. Mais lorsqu'il plut à Dieu de révéler en moi son Fils, Galates 1:15. Je suis crucifié avec Christ, et ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi, Galates 2:20. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, Galates 4:19. Alors que Christ fasse sa demeure dans vos cœurs par la foi, Éphésiens 3:17. Christ en vous, l'espérance de la gloire, Colossiens 1:27. Et lorsqu'il viendra en ce jour-là pour être glorifié dans ses saints, c'est de tous, et admiré dans tous ceux qui auront cru. Mes amis, Dieu, Jésus, veut manifester sa présence en chacun de nous. Alors, je vais terminer encore par en reprenant la définition du Shabbat, selon le dictionnaire Strong. Le nom Shabbat est repris 89 fois dans l'Ancien Testament et le verbe 67 fois. Et il est traduit généralement par se reposer, interrompre, cesser, manquer, célébrer, faire disparaître, ne pas laisser, chasser, imposer le silence, mettre un terme, enlever, éloigner, faire tarir, finir, ôter, prendre fin, ruiner. Alors se reposer, là on a compris, hein, un vrai repos en se tenant dans sa présence. Quand on ressent la présence de Jésus, on trouve la paix. Après, interrompre, cesser. Ça, c'est notre part. Il faut faire un choix, il faut décider. Faire disparaître, ne pas laisser, chasser, imposer silence, mettre un terme, enlever, éloigner, faire tarir, finir, ôter, prendre fin, ruiner. Dans la sainteté de sa présence, il nous montre les choses injustes qu'il faut ôter, les mensonges auxquels il faut mettre un terme, les pensées qu'il faut chasser. Il faut imposer le silence aux mauvaises paroles, faire taire, mettre un terme aux mauvaises habitudes. Alors on peut le célébrer. Et il trône au milieu des louanges de son peuple. Et on retrouve ce qu'on a déjà vécu au début de ce culte. Il est élevé. Il est élevé. Et là encore, on parle de sainteté. Alors, pour la conclusion, ce n'est pas fini. La suite t'appartient, elle nous appartient à chacun. Alors, à nous de donner un sens à notre culte, le dimanche, toute la journée. Puis, chez toi, entre dans ta chambre, entre dans ma présence. Et le dimanche matin, c'est vrai, nous voulons adresser un culte de louange pour nous tenir dans la présence de notre Seigneur. Et toute la journée peut être mise à part. On va terminer par la prière si vous voulez bien. Et si quelqu'un a envie de prier ou de dire quelque chose, c'est le moment, là, maintenant aussi. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ce repos dans lequel tu veux nous faire rentrer. Merci Seigneur parce que tu veux nous attoucher chacun par ta sainteté, parler à nos cœurs. Tu veux manifester ta présence. Le dimanche, toute la journée, le dimanche matin au culte, mais aussi quand nous sommes en prière dans ta présence. Merci parce que tu veux habiter en chacun de nous. Merci parce que tu as des projets de paix et de bonheur et de bénédiction pour chacun de tes enfants. Merci parce que nous sommes au bénéfice de ton amour. Merci parce que tu entends nos prières et tu entends surtout nos louanges. Que ton nom soit loué et glorifié, Seigneur Jésus. Amen.